nous tous ces haïtiens. Quel était monsieur ça ou quel était moi-même, nous tous sortis et dans la matrice peuple, nous sortis dans le quartier populaire. A qui intérêt pour nous gagner pour nous promouvoir l'autre? Et comment nous faisons pendant tout ça, nous avons promouvoir entre nous? Qui ça a été rapporté? Qui ça a été utile nous? Il n'y a pas de gens rapporté nous. Je dis à c'est peut-être ça, nous mettons tête nous ensemble. Nous mettons tête nous ensemble pour nous capables de libérer le pays contre le système ça. Parce que le système utilise nous, nous yon pour vous mettre contre l'autre. Yo utilise M. Belay, yo utilise Mounan Badelma pour faire nous une abgouma l'autre. Je dis, nous foncel, nous ne pas abgouma l'autre encore. Et si nous venons pour nous goumer, nous abgoumer contre l'État, nous abgoumer contre le système senti, contre le système corrompu qu'il a. Ouais, nous la caille avec vous. Ouais, j'ai mal à l'aise. Ça dit, si l'État veut, l'État qui a bien construit, c'est parce que l'État a une volonté qui fait le pas faire. Si l'État a une volonté, l'État a bien construit. Ouais, mais nous venons là. Ouais, mais nous venons là sans problème. Ça veut dire, si l'État a une volonté, l'État a construit. Qui opinion sur si tu as une force étrangère qui est entrée dans le pays? Une force étrangère qui est entrée dans le pays va venir de l'extérieur. Extérieur. Une force étrangère qui est entrée dans le pays, là seulement vient faire travail. Travail qui c'est qui ça? Vient consolider le pouvoir corrompu, tchoul, qui est Ariel Henry. Une force étrangère qui est entrée là, il va venir de l'extérieur. Qui ça a fait? Il va entrer dans le quartier populaire, venir ouvrir un coup de zam. Vin tuer tout le monde. Oui, peut-être qu'il y a venu, il a tué deux trois nèg qui vont dire. Mais est-ce que ça va résoudre le problème social qui gagne en dans quartier populaire? L'autre bagage qui fait passer une force étrangère, pas pour venir gagner, c'est même budget qui est disposé pour force étrangère ça. Ministre, tout le monde songe ça. Ministre est venu dans le pays, il était un budget 800 millions de dollars. Ministre a une permission pour professionnaliser la police là. Pour mettre effectif la police là à 20 000 policiers. 20 ans après le ministère allé, la police n'a toujours pas gagné 20 000 moun. Et l'argent était passé dans le pays, gros expert. Puis le COB, pendant ce temps, il n'y a pas arrivé à professionnaliser la police là, il fait passer à 20 000 moun. Et non, l'argent était disposé pour le ministère, il a gagné comme ça pour faire des projets sociaux. Malgré ça, nous avons quitté le pays. Allez voir, nous avons regardé le budget, il a dit qu'il faut voir pour force ça qui est venu là. La force ça va venir, qui est-ce qui va gagner? Non, moi pas voir avec l'insécurité que yo dit qui gagne dans pays qui insécurité que propre gouvernement créé dans pays. Si on force étranger venir, qui ça pour le fait? Dans premier moment yo venir yo, tout le monde a bat bravo. Après ça, pas grand pile corruption dans force là. Yo pas commencer violer femme nou yo. Yo pas commencer violer ti fi nou yo. Yo pas commencer violer ti garçon nou yo, même Jean ministre a fait ça. Là yo te venir dans pays. Et puis pas ils vont là, peuple a bouqué avec eux, peuple a fatigué, et puis peuple a pris les chalbaris derrière nous. Si les États-Unis, le Canada et la France t'ont une volonté, même j'ai appelé l'Ukraine, si nous t'es blanc même j'ai avec eux, si on t'es une volonté pour aider nous, ce n'est pas une force étrangère qui t'a mené à venir occuper le pays. Si on t'es une volonté pour aider nous, on t'a pris un coup ça. Vous avez investi dans la police nationale d'Haïti et l'armée. Vous avez fait vetting dans la police là, pour retirer les policiers corrompus, les policiers qui n'ont pas. Et puis les policiers qui doivent, qui sont honnêtes, vous avez essayé d'avancer avec eux. Vous avez professionnalisé la police là. Vous avez fait recrutement. Vous avez voulu chercher des experts à l'étranger. Oui, peut-être nous avons besoin de ça. Vous avez formé la police là. Et puis comme ça, et que la police nationale d'Haïti a résolu. Mais une force étrangère, ça va venir régler. Il va rentrer là, tirer tout le monde, tirer balle tout côté, tout le monde qui est innocent. Tout le monde aime la vie. Yo. Si nous avons force la vie, nous avons force la commencer à arrêter Ariel, je me suis dit. Nous avons force la vie, l'arrêter, nous avons 20 armes à munitions. Laisse nous même nous avons bien content pour nous aider force là. Si nous avons force la vie, et l'école nous vient faire, pour nous retirer les armes, mais les gens qui ont des armes dans le pays, pour faire apprendre le métier, nous même nous n'avons pas pour dire force là. Mais force là n'est pas ça la bonne fête. La bonne consolider le pouvoir corrompu à rien en rien. Mais nous-mêmes, qui sommes des patriotes qui viennent des pays, là, ils commencent à violer les femmes, ils commencent à violer les petites filles, ils commencent à violer les petits garçons. Nous ne pouvons pas quitter autour et nous laisser dans le couvert. Il y a un rien qui mettait l'insécurité qui vient là même. Pour qu'on ne puisse jamais organiser l'élection, pour qu'on ait le pouvoir, pour qu'on ait une pays riche. Dans tout pays qu'on a une guerre, et puis ça va empêcher l'élection fait. Si il y a une volonté pour faire l'élection, le groupe armé ne va pas empêcher l'élection fait. Parce que même les gens qui ont la guerre dans le pays, ils ont organisé l'élection.
gouvernement Ariel Henry a son gouvernement illégitime, corrompu, j'aime dire qu'il n'y a aucune volonté pour organiser l'élection. Tout le monde qui est dans l'entourage Ariel Henry, y compris Ariel Henry, c'est des corrompus. Quel était André Michel, quel était Majoré Michel, quel était Rosemi la petit frère, ce sont des corrompus. Mounsayo, et yo cap conseiller Ariel Henry pour pas jamais organiser l'élection. Mounsayo, André Michel, Rosemi la petit frère, Majoré Majoré Michel, c'est eux même qui voyaient ça ma balle dans le quartier populaire. Pour faire groupe armé, yon gouma à l'autre, on façon pour yon ka di, et que pays a pas de sécurité, élection pas ka fait. C'est un sa yo, gouvernement, qui voye zama bal, nan quartier populaire yo, pour yon ka faire groupe armé yo, goumé entre yo, et puis pour yon justifier intervention force étrangère qui venir pour venir consolider pouvoir yo. Mais même travail gouvernement Ariel Henry, m'a fait être un complice d'une équipe qui est corrompue. On va faire tête complice une équipe qui crase pays à qui piller. Moun sa yo place yo et pénitencier. Mais en bon logique comme moun qui remet la vie et qui remet moun, moun dit place yo et pénitencier, mais place moun sa yo pas sous terre même parce que moun son équipe à partir qui pas remet pays. Moun son c'est moun qui t'a mérité pour nous mettre sous place publique pour nous exécuter. Mais comme nous même, nous c'est des patriotes et moun sa yo malgré tout mal a fait pays, yo still rete haïtien. Nous ne parlons pas de la mort pour eux. Mais nous sommes supposés être des barreaux. Nous sommes des pénitentiaires. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais même en tant que monde qui aime Haïti, même les pays en pile. Moi, j'aime Haïti en pile. Je ne peux être mon complice pour mal travailler au gouvernement sans corrompu pour le gouvernement Ariel Henry. Jamais. Qui soi-disant dit et que nous sommes un grand pays qui respecte les droits de l'homme. C'est dommage au pays tant pour la France et dommage au pays tant pour le Canada. Ils ont choisi de prendre sanction contre un citoyen sans même qu'ils n'ont pas mené bon genre enquête. Et l'ONU sanctionne, pendant l'ONU sanctionne, l'ONU sanctionne sous même base rapport, soi-disant organisation de droit à fait en Haïti. C'est sous même rapport choisi de prendre sanction contre un citoyen sans même qu'il n'y ait pas mené bon genre enquête. Et l'ONU sanctionne, pendant l'ONU sanctionne, l'ONU sanctionne sous même base rapport, soi-disant organisation droit à l'homme fait en Haïti. C'est sous même rapport RNDDH là, et que l'ONU réalise pour faire un copie-coller de rapport ça, c'est sous même rapport RNDDH là, l'ONU prend pour sanctionner. Les États-Unis sanctionnent sous base rapport RNDDH. La France et le Canada sanctionnent sous même base rapport RNDDH. Sans même que yo pas mené bon genre enquête. Pour te dire par exemple, l'organisation doit venir accuser me dit dans massacre la Saline. Sans même que États-Unis, Canada, la France et l'ONU pas mené enquête indépendante et que yo juste prend même rapport RNDDH et puis pour sanctionner. Et par exemple, massacre Saline, Bagdad pour moi, massacre Saline. Le 13 novembre 2018, le jour où il y a eu soi-disant massacre Saline, parce que pas de massacre Saline, il y a eu deux groupes armés qui t'a pas affronté. C'était deux groupes armés qui c'est Simon la Saline et que qui t'a pas affronté entre eux. Ok? Ça veut dire, pas de massacre, j'ai eu un dia qui t'a gagné la Saline. Mais malgré ça, le 13 novembre 2018, je ne peux pas rentrer la Saline. Avec mon nom, je mets dans massacre là. Que ce soit Alexis Junior, de regretter mémoire, je ne reconnaître lui, il a mis mon avis dans le massacre de la Saline. Que ce soit Pierre-Richard Duplan, que ce soit Fidel mon chéri, qui c'est mon bâtiment, mon côté Fidel mon chéri, mais mon foi dans la ville, et que vous mettez nom dans le massacre de la Saline avec elle. Et moi, c'est une sanction ça, c'est injuste. Une sanction ça n'est pas basée sur aucune réalité, n'est pas basée sur aucune enquête sérieuse. Mais cependant, une sanction ça n'est pas faite ni chaud ni frais. Parce que les sanctions, je ne vais pas aller aux États-Unis, je ne vais pas aller au Canada, je ne vais pas aller à la France. Et même si je n'ai besoin de aller dans le pays, je ne vais pas dire ça parce que les pays sont en sanction contre moi. Moi, mes pays sont en pile de l'Haïti. Je ne vais pas aller dans le cœur. Tout bien que je vais faire, je vais faire dans le pays. Même si un jour, je vais dire que je suis corrompu, l'État saisit ça bien, tout bien m'a prêté pour l'État haïtien. Je ne vais pas faire même avec ces idées apatrides. Je ne vais pas faire même avec ces idées qui crassent le pays. Qui crassent le pays, ça, pour me lâcher dans la République. Dominicaine, je ne vais pas acheter en France, je ne vais pas acheter aux États-Unis, je ne vais pas acheter au Canada. Qui vient faire?
sanctions, yo, yo pas fait ni chaud ni frais. Mais son paquet de sanctions qui est juste, qui pas campé son rien, parce que ça yo reproche mieux, m'pas gagne rien pour moi là-dedans. C'est juste une organisation loi moun qui convertit tête en parti politique et puis qui choisit faire mentir sur moi. Et c'est pas sur moi seulement faire mentir sur un paquet de monde dans pays. Sanctions est juste, sanctions pas basé sur rien. Pour lui débattre mon sa sécurité. C'est responsabilité du gouvernement pour te mettre une force police, une force armée qui est là pour qui protéger mon sa. Comme je disais tantôt, qui monde qui est responsable, qui a une mission pour protéger la population? Ariel Henry, non seulement c'est le premier ministre qui est chef CSPN, non? Ariel Henry, c'est ministre de l'Intérieur qui est responsable. Sécurité intérieure paysan et extérieure paysan. Mais connaître qui est responsable. Oui, c'est vrai, c'est gang yo qui a tiré sur moun yo. Ma profite seulement dit monsieur qui gen zam yo, évitez de tirer sur population civile. Évitez de tirer sur femmes, sur ti moun. Et m'a regardé ces des personnages grand moun handicapé y a porté sous dos. M'a demandé monsieur qui gen zam nan men yo, évitez de tirer sur population civile. Et je dis à retirer vos armes ça yo sur monde qui semble nous yo m'a demandé monsieur qui armé yo que yo les gang yo et les bandits retirer vos armes sur monde qui semble nous on vire vos armes non sur vrai ennemi nous même gens tout m'a demandé peuple là suspendre dans la rue à manifester al Ariel Henry la police a tué 200 la police a tué 300 mais pas a tué nous tout entrer par Ariel Henry parce que je dis à c'est Ariel Henry qui faille à mission c'est lui la police ba nos sécurité et puis ban mes yeux fait ça. Parce que l'autre monde qui est responsable de la situation qui vient dans le pays à José Aki Ariel Henry. Ariel Henry mélangé avec la communauté internationale qui a protégé, spécialement les États-Unis, le Canada et la France, qui est responsable de tout le monde qui a mouru dans le pays aujourd'hui. Parce que c'est eux qui ont protégé un gouvernement qui est illégitime, qui est corrompu, un gouvernement qui a pris le ministre en tête, et que tout le pays a décrié, la société a décrié, qui participe dans l'assassinat du président. Qui est le monde qui est responsable? Nous disons ça déjà. Quand qui gen zam nan men pa kon voyager comment zam nan fè rive nan men comment fè gen munition sa yo ki moun ki responsable pou te pou protéger frontière nou ki moun ki responsable pou protéger douane nou kòt moun sa yo fè je sa e gang yo e gang yo manje l'argent petro caribé a e gang yo manje l'argent c'est RH lan oui monsieur gen zam nan men on a pris les gang yo gen responsabilité mais l'état a 90% responsable de misère nou de son nou communauté internationale là à 95% responsable misère nous les États-Unis le Canada et la France ils responsables sont nous aujourd'hui sont c'est pas gouba mais responsable misère pays c'est monde qui te gagne mission pour te faire l'école l'hôpital université mettre propre potable mettre service de base professionnaliser l'armée professionnaliser la et la police professionnaliser l'armée c'est monde ça qui faille à mission au pays ça côté aujourd'hui c'est peut-être ça nous mêmes qui vient ça dans nous nous avons objectif nous avons mission mission nous azam qui dans mes noix c'est pas terroriser population monde qui vivre la caille nous mission pas nous azam pas nous c'est pas faire monde qui vivre dans communauté nous qui quitter la caille nous mais c'est comme un système qu'on puisse sentir ça et tout autant on finit par renverser ce système ça illégal gouvernement bandit Ariel Henry te prend une décision pour monter gaz. Et tout le monde connaît que gaz sont produits transversal. Les gaz monté, puis tout bagaille net, puis tout produit monté. De ce fait, nous avons choisi dans la bataille peuple a fait pour faire pression sur le gouvernement Ariel Henry pour descendre le gaz là, nous-mêmes tout, en tant que patriotes et en tant que monde qui opposé avec le gouvernement corrompu, de facto, criminel, choule impérialiste. Ariel Henry, nous avons choisi de participer dans le gourmet. La meilleure façon pour nous participer, c'est parce que le terminal là, qui gagne 70% de gaz pays à la donne est situé dans le territoire, nous, qui est le territoire que nous-mêmes, force révolutionnaire de la famille, nous avons tout à diriger. De ce fait, nous avons choisi d'entrer dans le mouvement pour nous faire pression sur Ariel Henry pour être capable de descendre le gaz là. Et raison ça que nous avons participé. C'est la raison de la nous-mêmes. Nous pas remplacer l'État, nous juste et en tant que citoyen, en tant que patriote, nous qui est le pays, nous juste en travail
la communauté côté dans vivre pour nous garder comme capable non seulement améliorer les conditions de la vie mon et faire mon sens que on yo en sécurité côté que si jeune fille nous si fille nous si garçon nous pour pas subir et abus sexuel dans mes qui contre mon mère et fonctionnement spécialement dans zone bon la Camédelma 6 avec dans toute zone qui gagne Genève yo. Et premièrement, nous sommes rassembleurs. Et nous arrivons à mettre toutes les zones ensemble. C'est des zones qui ont des gommes entre eux. Par exemple, Jérémy était en gomme à la Saline. Et ce matin, était en gomme avec la Saline. Aujourd'hui, en fonction du rôle, nous avons mis tout le monde ensemble. Et que non seulement nous avons rassemblé nous tous, mais ensemble. Et que mais pour une stabilité dans zone ça pour éviter population civile la victime et mais bon le bagarre honnêtement je suppose parler tant que il y a l'autre groupe politicien qui connaît utiliser ces de l'autre pour parler qui est en face moi et que le gouvernement avec pour parler ça et pour empêcher tout le monde violer monde dans zone côté que nous vivons et parfois les moi pour monde ça on pour le sévèrement par rapport avec l'attaque que moi-même nous avons subi. Mais en gros, nous sommes rassembleurs, nous sommes un monde qui a fait social, qui a gommé contre un système qui est injuste, un système criminel, peut-être que je gommé pour moi, si je suis capable de changer les conditions de la vie, même qui est plus mal. En gros, c'est vraiment ça. C'est ancien opposition à Jovenel Moïse là, qui sont pas que politiciens corrompus, qui dit et que moi j'étais à Jovenel Moïse. L'autre au monde t'a pour André Michel, Majorie Michel, Rika Pierre, comme si c'était ça ou seulement. Et tout compris ça ou t'es dit comme ça que et moi je travaille pour Jovenel Moïse. Je dis assez même compris t'a pour André Michel, Majorie Michel, Rosby la petit frère. C'est compris ça oui qu'a corré le gouvernement Ariel Henry. Et qui est-ce qui nommé Ariel Henry? Et Jovenel Moïse. Songez les Jovenel Moïse nommé Ariel Henry. Et que moun sa yo te dit Ariel Henry c'est tonton, Ariel Henry c'est cousin. Soje moun sa yo te dit et que c'est moi-même qui propose Jovenel Ariel Henry. Je dis à qui est-ce qu'a protéger Ariel Henry? Qui est-ce qu'a gommer pour Ariel Henry? C'est Rosemille la petit frère, c'est Majorie Michel, c'est Rika Pierre, c'est André Michel. Ça veut dire qui ça? On pas gain aucune relation avec Jovenel Moïse. C'est menti opposition corrompue senti en t'a fait sur moi parce que m'étais refusé travail pour eux. Yo te offri pour faire me retourner dans la police. Yo te offri et que pour faire laver nom dans massacre la Saline. Mais le fait que me pas accepter travail pour ni pas accepter prendre arme à balle pour me tirer sous président Jovenel Moïse pour me participer dans assassiner Jovenel Moïse, assassiner caractère Jovenel Moïse même j'en avec yo jusqu'à ce que yo arrive assassiner physiquement. Moun sa ou di m'te gen relation à Jovenel Moïse. Mais c'est menti, m'pa di m'gen aucune relation avec Jovenel Moïse. Je me dis, hein, effectivement, Haïti va faire ça, mais il y a des gens qui ont des gros moyens, il y a des gens qui sont dans le gouvernement, il y a des oligarques qui ont des business à votre arme à munitions dans le pays. Moi-même, je suis toujours un intermédiaire pour acheter des armes à munitions. Très bien. Illégal, gouvernement bandit, Ariel Henry, tu es pour une décision. Pour monter gaz. Et tout le monde connaît gaz son produit transversal lié. Les gaz monté prix tout bagaille net, prix tout produit monté. De ce fait, nous avons choisi dans la bataille peuple a fait pour faire pression sur le gouvernement Ariel Henry pour descendre le gaz là, nous même tout en tant que patriote et en tant que monde qui opposé avec le gouvernement corrompu, de facto, criminel, choule impérialiste, Ariel Henry, nous avons choisi de participer dans le gouvernement. La meilleure façon pour nous participer, c'est parce que le terminal là, qui gagne 70% de gaz pays à la donne, est situé dans le territoire, nous, qui est le territoire que nous-mêmes, force révolutionnaire Genève familiale, nous avons tout à diriger. De ce fait, nous avons choisi d'entrer dans le mouvement pour nous faire pression sur Ariel Henry pour être capable de descendre le gaz là. Et raison ça que nous participer. On c'est petit de salut. Nous habitons faire histoire. Nous battons l'armée Napoléon en 1804.
qui était l'armée qui était plus puissant. Nous battons l'armée Napoléon en 1804, qui était l'armée qui était plus puissant. Dans la bataille 21, le 18 novembre 1803, nous battons l'armée Napoléon. Aujourd'hui, ce n'est pas les armes, les quantités de munitions nous gagnent qui sont importantes. C'est conviction nous. C'est énergie nous. C'est capacité nous gagner pour nous mobiliser le peuple ça. Qui va le faire nous gagner une bataille ça. L'air privé. J'aime dire, et nous pas là pour nous dire nous allons mettre avec une force étrangère qui va entrer. Imaginons force là entrer. Imaginons une seconde. Force là entrer. L'enga des premiers venus force là qui ça le fait nous l'arrêter à Ariel Henry pour assassin parce qu'il était participé dans la mort de Jovenel Moïse. Et puis nous avons force la vini, nous avons force la arrêter oligarque, cap vendre zam, cap vendre balle. Nous avons force la vini, nous avons force la arrêter corrompu qui dans gouvernement, corrompu qui dans la justice. Ah, on a pas de bravo pour force la mentir déjà. Laisse nous même encore n'a marche à force là. Nous avons force la vini créer l'école professionnelle et que pour jeunes femmes, jeunes garçons, suspendre 20 corps pour yo ka manger. Laisse n'a pas pour force là. Mais si force la vini, c'est moun innocent vin tuer dans quartier populaire. J'aime dire ça qu'arrive on deux trois négas à mourir. À ce moment-là, nous font seul à peuple là. Nous font seul pour nous remettre contre force ça. Et pas quand c'était armes, à quand c'était munitions qui est important. C'est volonté et détermination bien pour nous remettre contre nous. Et ça qui va aller important dans la bataille ça. Ce qui chiffre les basés qui fait nous dire que les plus sont venus en Haïti qui est à nouvelle. Ce qui chiffre les basés. Mais moi-même, en tant que responsable et leader, force révolutionnaire, Genève et Famille, moi-même, tout. Et je n'ai pas de responsabilité dans la situation dégradante qui gagne dans le pays aujourd'hui. La situation qui gagne aujourd'hui dans le pays qui cause la communauté internationale, qui est partie par le côté que responsable là-dedans, dans sa carte privée là. Les États-Unis, le Canada, la France, ils ont une responsabilité dans ce qui a passé là. Et les politiciens, les dirigeants, ils ont une responsabilité dans ce qui a passé là. Les oligarques, les gens qui sont riches, ils ont une responsabilité dans ce qui a passé dans le pays là. Mais nous-mêmes, qui sommes dans le quartier populaire, nous-mêmes, nous sommes marginalisés, nous-mêmes, nous disons qu'il y a des amis après les bandits dans nous, nous n'avons aucune responsabilité dans ce qui a passé là. Et parce que ce n'est pas nous qui sommes responsables que l'État n'a pas créé conditions pour les jeunes citoyens qui sont dans le ghetto à apprendre le métier, pour José apprendre un pile, pas être obligé de faire un examen. Ce n'est pas nous qui cause l'État n'a pas créé l'école pour un pile dans les jeunes citoyens qui sont dans le ghetto pour aller à l'école et que pousser pas d'examen dans le plan. Je dis à nous qui ont une mission, ça, qui ça fait à l'argent, ça, nous voler l'argent, et placer le banque à l'étranger. Nous qui ça fait à l'argent, côté que pour créer l'école professionnelle, l'école primaire, l'école secondaire, bonjour à l'université. Nous voler comme ça. Résultat situation qui est dans le pays aujourd'hui, c'est résultat dirigeant corrompu nous, qui se reste avec la communauté internationale, mélangé avec oligarque corrompu qui pas haïtien, qui baille la situation qui est en Haïti aujourd'hui. Le pays pendant 50 dernières années passées là, le pays a fait face avec un État qui n'a pas existé, avec un État qui est corrompu. Les gens qui étaient supposés organiser la force, à savoir la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti, les gens ont failli à la mission. Ça veut dire qu'ils n'ont pas arrivé à professionnaliser la police là, et ils n'ont pas arrivé à mettre l'armée professionnelle et camper. Et ça veut dire que l'argent qui t'a dû contribuer dans la formation policière, dans le recrutement pour la police, il y a suffisamment de policiers, nous ne savons pas faire travail ça. Ça vient parce que la police est en faiblesse, l'armée presque pas existé et le système judiciaire n'a pas marché. Je dis à nous-mêmes, nous n'avons pas remplacé l'État, nous juste, et en tant que citoyen, en tant que patriote, nous qui sommes pays, nous juste. À travail dans la communauté côté de la vie,